Hey, salut les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle il y a un énorme fail. Et ouais, pas un fail de montage. Attention, faut bien faire attention. Un fail dans le jeu. Franchement, il est beau. Enfin, je suis juste nul. Là, on va être dans un combat de gelée. Donc, on fait attendre un ennemi qui a un abonné. Il était sur la map, donc j'ai lancé le combat, mais il n'est pas venu. Donc je sais pas ce qu'il était en train de faire, il n'a pas prévenu, en tout cas j'avais pas vu. Donc désolé à toi, mais on t'a quand même attendu, tu peux le voir dans la vidéo. Y a quoi d'autre? Y en avait un qui m'avait demandé pourquoi un nini. Pourquoi là, vous pouvez le voir dans le combat. Je suis celui qui rocks le plus et le dernier survivant, il me semble, ou enfin sans moi, le sacri n'aurait pas survie. Donc, franchement, l'ennemi c'était une bonne chose parce que avec Loza, on aurait eu un peu de mal, je pense. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, l'évolution de ma Dragodinde. Franchement, elle évolue très vite là, elle est niveau 94 dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo quand elle montera 100, ou peut-être que je ferai la vidéo pour la up 100, je ne sais pas encore. Pendant qu'on est encore au début de la vidéo, je vous redis de voter dans les commentaires de la vidéo qui implante le planning, donc c'est la vidéo de lundi avec le donjon chaffeur. Vous avez le choix entre 10 jeux, bah 9 jeux plus une de vos propositions au hasard. Actuellement, c'est Agario qui est en tête. Il y a Vainglory, oui, accent anglais très très bien. Et on m'a demandé en choix du Mortal Kombat. Donc, si vous voulez voter, allez voir la vidéo, elle sera dans la description. Je voulais dire quoi d'autre par rapport à cette vidéo? Ah oui, les musiques. Si vous avez des musiques libres de droit à me proposer, dites-le moi. Là, je commence à être en cours de mieux en oui, à cours de musique. Là, dans la vidéo, je sais pas si c'est celle-là. On peut voir un des anneaux de Monosa, l'anneau invocateur, qui s'est vendu à 20 000. Donc j'étais plutôt surpris et plutôt content. Donc franchement, merci à celui qui l'a acheté. Je te connais pas, c'est pas grave. Tu vas sans doute pas regarder ma vidéo. Ah oui, je voulais vous parler quelque chose, mais bon, je pense pas que ça va se faire. C'est qu'on m'a proposé d'envoyer un tweet à Tofus Touch pour demander si je pouvais avoir quelques invitations, ou du moins une invitation Tofus Touch. Pour vous la faire jouer, bah, pour faire un mini concours entre guillemets. Mais bah, Dofus Touch m'a toujours pas répondu à l'heure où je vous parle. Donc on est le jeudi 21 janvier, il est 23 h. Bah, je pense pas que ça va se faire. Je vous le dis au cas où pour que vous soyez prévenus. Mais je pense pas que ça va se faire, vraiment, n'y comptez pas en tout cas. Dans tous les cas, si j'ai un code, je vous fais une vidéo directe, qu'on soit n'importe quel jour, je m'en fous. Par rapport au jeu, là, bah justement, le fail, c'est... Ouais, non, je vais attendre, je vais attendre de la fin de vidéo, vous allez peut-être avoir un petit moment de musique sans que je parle, mais je reprendrai lors du fail parce que franchement il était beau, magnifique, un peu trop sûr de moi. Ça allait être marrant. En plus, justement, les nus, je parlais avec lui, il m'avait proposé pour trop ou pour faire un donjon, mais je lui ai dit non, je vais faire ça. Et bah, j'aurais peut-être dû aller avec l'abonné. Parce que je crois que c'est le premier fail que je vous montre sur la chaîne. Et c'est même le un des premiers que je fais sur Dofus, vu que
Ah non, avec Loza, bon, je l'avais. C'est à l'époque où je recordais pas. Avec Loza, j'avais tenté de faire deux fois le donjon forgeron solo, mais j'avais pas réussi. À chaque fois, je perdais, le coffre lui restait même pas 100 points de vie. Donc, ça, c'est mes deux premiers fails. Et bah, plus lui, hein, je vous en dis pas plus, je vous dis même pas c'est sur quoi. En ce moment sur Dofus Touch, je suis surtout en train de repérer pour soit faire des succès pour avoir des ressources ou soit crafter une panneau. Là j'avais trouvé une cape qui était vraiment pas mal en cherchant sur les items Dofus. Mais il faut des plumes de couac de glace. Étant essentiellement haut parce que R je fais énormément de dégâts, ça pose un petit problème. Faudrait que je tente quand même. Pour ce qui est tout ce qui est planning et tout ça, je vous redis maintenant, mais n'hésitez pas à voter parce que le planning commence lundi. Donc la première vidéo du deuxième let's play commence mardi et je vais la tourner lundi. Donc la fin des votes se termine lundi. Donc franchement, n'hésitez pas à voter, le lien est dans la vidéo. Il faut y aller, clairement. Si vous voulez avoir quelque chose qui vous plaît, faut y aller. Y a quoi d'autre qu'on pourrait parler? Bah, je pense que c'est tout. Donc je vous retrouve au début du fail. Allez, ciao!
Aïe, rêve les gens. Bon, le fail va bientôt commencer. Donc là, on attend la transition. Attention, attention, attention. Le fail est dans un donjon. Eh oui, comme vous pouvez voir, le donjon Caniboule. Donc là, je vous montre le niveau de la dindane, niveau 94. Donc franchement, elle est un très bon niveau. Bientôt 100, bientôt une nouvelle vidéo pour ça. Donc là, je lance le combat. Je me dis, ouais, il y a des hauts, il y a des résistances hauts. Mais avec les mots interdits, ça devrait passer. Donc là, déjà, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de ligne de vue. Donc il fait quand même mal. Bon, mal. Dans le vrai Dofus, il ferait pas mal. Mais là, ayant pas énormément de points de vie à cause des panneaux, il fait mal quand même. Mais vous allez comprendre à la fin mon fail. Parce que là, je le tape, 232, hop, et je fais quand même mal. Il se barre. Et regardez qui va là. Regardez bien dans le chat. Moins 7 PA. Ce sort est trop cheaté. Clairement. Et moi, j'avais pas compris au début qu'il se lançait que en ligne. Et donc, je pense que vous comprenez la suite des événements. Là, je me retrouve à très peu de PA, j'avais toujours pas compris que ça se lançait en ligne. Donc là, je me dis, ouais, c'est foutu, vas-y, il faut que je le rush. Mais les Caniboules haut avec le masque bleu, franchement, c'est les pires. C'est les. La moins 5 PA, c'est énorme. Je déteste ça, en train de devenir fou. Je rageais pas, j'étais. Ça me saoulait un peu. On peut dire que je rageais, mais bon, c'était pas la rage comme on le décrit le plus souvent. Là, je venais de comprendre que si ça lançait en ligne, enfin, j'avais pas compris, je vérifiais. Et je vois que c'était vraiment ça. Mais il était trop tard. Parce que là, il s'était trop approché, c'était. Ouais, non, ça sentait le caca. Donc, l'abonné avec qui j'étais, je lui dis que j'allais faire le donjon Caniboule. Donc, il me dit s'il peut venir, mais il avait pas toujours pas l'accès à l'accès Moon. Il avait toujours pas accès à Moon. Donc, il a pas pu venir. Il m'aurait peut-être aidé, mais bon, lui aussi est en haut. Ça aurait été dur. Mais quand je lui. Après, je lui ai dit que je m'étais fait rect, mais que j'allais quand même la poster, parce que bon, je pense qu'un fail de temps en temps, c'est toujours marrant. Bon, je pense que un premier fail, ce sera pas le dernier avec moi, je pense. Surtout sur un deuxième let's play. Mais surtout, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Disliker plus la raison si ça vous a déplu. Mais surtout, abonnez-vous. On est déjà 18 à l'heure où je vous parle. Et pour moi, c'est juste énorme. Allez, je vous laisse sur la fin du fail. Bye!